Eh bien, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue donc dans cette suite de ce congrès Matangine des collégiens. J'ai eu la joie de vous présenter Pierre Pansu, professeur à l'Université d'Orsay depuis quelques temps, puisque j'ai eu le bonheur de l'avoir en tant qu'étudiant il y a de ça quelques années. Et donc, je suis très content de le re-rencontrer maintenant en tant que collègue et enseignant-chercheur, et ça, j'en suis très flatté. Et donc, il va vous proposer une conférence qui s'intitule « La géométrie du petit prince ». Et voilà, je le laisse tout de suite parler. Merci Gilles. Donc, bonjour le public nord-américain. Vous savez que vous pouvez mettre des questions dans le chat et Gilles essaiera de me les transmettre. Bon, j'aimerais... Oui, mon université, elle s'appelle maintenant Paris-Saclay. Elle a changé de nom plusieurs fois depuis qu'on s'est croisé avec Gilles. Je voudrais vous parler du Petit Prince. Est-ce que ça... Allons, bon. Ça commence bien. Ça y est. Vous connaissez probablement ce livre et cette image. Ça raconte l'histoire d'un aviateur dont l'avion s'est écrasé en plein désert. Et il voit venir un personnage, un petit prince, qui lui demande de lui dessiner un mouton, et il lui dessine un mouton dans une caisse. Mais d'où vient ce petit prince? Voici une page du livre. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce ton chez-toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? À n'importe où, droit devant lui. Alors, le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Et il a raison. Dans notre monde à nous, dans un plan, quand on marche droit devant soi, on parcourt une ligne droite et on peut aller loin. Vous voyez ici un morceau de plan et une ligne droite qui en sort très rapidement. Mais dans le monde du Petit Prince, c'est différent. Donc, le monde du Petit Prince, comme on le voit sur l'image de la page précédente, eh ben, c'est une petite boule, une petite planète toute ronde, comme celle que vous voyez là. Et si je pars d'un point, comme celui qui est ici figuré par une sorte de clou, vous voyez, j'applique une petite bandelette de papier et simplement je la pose comme ça sur ma toute petite planète bleue. Et là, voilà. Et la bande, eh ben, elle fait le tour complet et elle revient à son point de départ. Alors, je vous le remontre. Vous voyez, mes doigts cachent tout.
maladroit. J'ai posé la bande ici et je fais un tour. Je la suis simplement et je remarque que la bande revient au point de départ. Un petit peu de peine à montrer tout ça. Comme j'ai un peu de peine, j'avais prévu, vous voyez, une photo que vous pouvez voir. En effet, quand on marche devant soi sur une sphère, on décrit un grand cercle. Un grand cercle, c'est l'intersection de la sphère avec un plan qui passe par le centre. Vous voyez bien, on ne peut pas aller bien loin. De toute façon, on revient à son point de départ. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Vous voyez, le petit prince parcourt un itinéraire le long de sa planète. Vous voyez, j'ai figuré sur la planète les trois volcans par trois clous ou trois punaises. Ici, en vert, c'est le volcan éteint devant vous. Imaginons, il part du volcan éteint et puis il marche droit devant lui pour aller jusqu'à un des volcans en activité. Puis ensuite, il faut qu'il tourne. Il tourne d'un certain angle. Et puis après, il marche droit devant lui jusqu'à ce qu'il atteigne un autre volcan en activité. Il tourne d'un certain angle. Et puis, il marche droit devant lui. Et puis, le voilà retourné, arrivé au volcan éteint. Bon, c'est un petit peu de peine à le faire, la manip. D'où la figure que vous voyez maintenant à l'écran. On part, il part d'un volcan, il marche droit devant lui, il arrive à l'autre volcan, il tourne d'un angle ici de 96 degrés, et il marche droit devant lui, il arrive au volcan suivant, il tourne d'un angle de 128 degrés, il marche droit devant lui, il arrive au troisième volcan, et s'il voulait repartir dans sa direction de départ, il faudrait qu'il tourne d'un angle de 127 degrés. Et donc notre petit prince, il a parcouru ce qu'on appelle un triangle sphérique. Et la somme des angles, quand on effectue l'addition, on trouve 352 degrés. Ça ne fait pas beaucoup ça, 352 degrés à votre avis? Moi, je trouve que ça fait beaucoup parce que ça me fait penser à une propriété des triangles dans le plan. Dans le plan, la somme des angles d'un triangle, elle vaut toujours 180 degrés. Et là, on a trouvé 352. Ça, alors, d'où ça sort? Eh bien, voilà un énoncé général, ça s'appelle le théorème de Dicket, qui remonte au XVIIe siècle. Un triangle sphérique avec trois angles alpha, bêta, gamma, mesurés en degrés, eh bien, la somme des angles, alpha plus bêta plus gamma, est toujours plus grande que 180 degrés. Et d'ailleurs, la différence alpha plus bêta plus gamma moins 180, eh bien, elle a une interprétation géométrique, elle est proportionnelle à l'aire du triangle. Un joli théorème, c'est une différence notable entre la géométrie plane et la géométrie du petit prince, c'est-à-dire la géométrie sur une petite sphère. Donc, continuons notre promenade Vous voyez que ce théorème, il est important, pas seulement pour lire de façon plaisante Le Petit Prince, mais pour résoudre un problème qui a tourmenté les savants pendant pas mal d'années,
de siècles, c'est le problème de la Qibla. Alors, on se déplace dans le temps et dans l'espace. On rejoint les pays de langue arabe au Moyen-Âge, au moment des premiers siècles de l'islam. Et c'est une époque où on a construit beaucoup de mosquées au fur et à mesure de la conquête islamique. Mais imaginez maintenant que nous sommes à Paris, que j'ai figuré ici sur cette map monde par une croix, parce qu'à Paris, il y a plus d'églises que de mosquées, mais il y a une mosquée à Paris, la grande mosquée de Paris, elle est dans le 5e arrondissement, c'est un très joli bâtiment qui vaut le détour. Et comme toutes les mosquées, elle est tournée vers la Mecque. C'est bien joli ça, mais quand je suis à Paris au Moyen-Âge et que je veux construire une mosquée, comment je trouve, dans quelle direction se trouve la Mecque? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, dans quelle direction? Ben, c'est la direction dans laquelle il faudrait que je parte pour que, en marchant droit devant moi, je finisse par arriver à la Mecque. Ah, marcher droit devant soi, nous savons que ça veut dire marcher le long d'un grand cercle. Et bon, mais ça ne résout pas le problème. Alors, d'abord, il est important de savoir repérer les points à la surface du globe qu'on va supposer sphérique, comme une grosse version de la planète du Petit Prince. Donc, les points à la surface du globe, on les repère par leur latitude et leur longitude. Donc, ce sont deux angles mesurés en degrés et qui sont faits de telle sorte que les points de latitude 0, c'est l'équateur, et les points de latitude 90 degrés, nord ou sud, ce sont les pôles nord et sud. Et l'autre coordonnée, c'est un autre angle, la longitude. C'est un angle qui est mesuré par rapport, c'est l'angle entre deux méridiens, le méridien où on se trouve et un méridien origine, de référence, qu'on appelle le méridien de Greenwich, parce qu'il passe par un village qui est maintenant fait partie de la ville de Londres et qui s'appelle Greenwich. Et c'est un angle en degrés qui varie de 0 à 180 degrés est ou ouest. Et Paris, par exemple, est à 2,4 degrés de longitude ouest et à 48 degrés de latitude nord. La latitude de la Mecque, c'est 21 degrés nord. Vous voyez, c'est bien plus proche de l'équateur que Paris. Quant à la longitude de la Mecque, c'est de l'ordre de 41 degrés est. Et ce qui va compter ici, c'est la différence de longitude entre la Mecque et Paris. Ça fait 39,5 degrés. Voilà. Donc ça, c'est des informations que déjà au Moyen-Âge étaient à peu près en place dans l'esprit des savants, en tout cas des savants de langue arabe, dont on va parler maintenant. Et alors, maintenant, posons-nous notre problème de Qibla dans le langage de la géométrie sphérique. Ici, on a affaire à un triangle sphérique dont les sommets A, ici, c'est le pôle Nord, B, c'est Paris, et C, c'est la Mecque. On connaît la latitude de Paris et la latitude de la Mecque, ce qui nous permet de connaître les distances que j'ai marquées C et B, les longueurs de côté, deux de deux des côtés de ce triangle. Et puis, on connaît la différence de longitude entre la Mecque et Paris, et donc on connaît un angle qu'on voit là au pôle Nord. Et la question, c'est, étant donné un triangle sphérique, un angle et les longueurs des deux côtés adjacents, est-ce qu'on peut déterminer les autres angles? Par exemple, surtout l'angle au sommet Paris. C'est ça la question qui nous tourmente. Vous voyez que c'est devenu un problème de géométrie.
et dont l'analogue dans le plan, eh bien, le voici. On se donne un triangle plan ABC. On se donne l'angle alpha en A, ainsi que les longueurs des deux côtés adjacents, que j'ai noté petit b, petit c. Calculer la valeur de l'angle bêta, l'angle au sommet B. Donc là, il s'agit de faire de la géométrie du triangle. On est sur un terrain où les élèves de fin de cycle 4, enfin les élèves de troisième, doivent se sentir un peu à l'aise. Et effectivement, c'est un problème qu'on peut traiter en troisième. On a les outils, mais enfin, ce n'est pas un problème très simple. Et voici la réponse. Donc la réponse que j'écris ici est donnée par une formule compliquée avec des fonctions comme sinus, cosinus et tangente. Et cette réponse, elle était certainement connue de Nasir al-Din al-Tusi, un savant qui a vécu en Perse, le pays qui est maintenant l'Iran, notamment dans la forteresse d'Alamout, qui est non loin de la mer Caspienne. Et au XIIIe siècle, il a découvert les théorèmes qui sont utiles pour démontrer cette formule. Ce théorème s'appelle la loi des sinus. Donc ça, vous voyez, c'est de la géométrie euclidienne qui est en principe à la portée d'un élève de troisième, mais avec pas mal de travail. Donc je ne vous demande surtout pas de retenir cette formule. Et quelle serait maintenant la solution du problème sphérique, du problème de la Qibla? Eh bien, vous voyez que c'est une formule qui ressemble un petit peu, sauf qu'il y a davantage de sinus et de cotangence et de cosinus dans la formule. Je ne vous demande pas non plus de la comprendre. Cette formule, elle est due à Ahmad ibn Abdallah Habash Hazib Marwazi, qui a vécu à Bagdad au IXe siècle. IXe siècle, c'est un peu étrange ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour le problème dans le plan, la solution remontait au XIIIe siècle. Ouais. Comment ça se fait que la réponse en géométrie sur la sphère ait été connue avant la réponse dans le plan? Eh bien, c'est comme ça. La loi des sinus a été découverte d'abord en géométrie sphérique, et il a fallu plusieurs siècles avant qu'on découvre que la version dans le plan, qui pourtant en découle. C'est un drôle de caprice de l'histoire, de l'histoire de la géométrie. Donc c'est bien le signe que ce théorème de géométrie, que je n'énonce pas, mais celui qui est caché dans cette formule, la loi des sinus, a été développée en géométrie sphérique, parce qu'elle était motivée par ce problème de la Qibla et d'autres problèmes d'ailleurs sur des mesures de distance angulaire entre étoiles. Voilà. Donc je tenais à vous raconter cette histoire que je trouve frappante. Vous voyez que cette géométrie sphérique n'est pas seulement un jouet, elle était motivée par des questions qui étaient d'actualité en astronomie, et pas seulement en astronomie, même dans les travaux publics, à l'époque. Et c'est le cas de beaucoup de mathématiques que vous apprenez, que vous rencontrez au collège. Ces mathématiques sont nées au départ de questions qui étaient motivées par des questions de science ou des questions pratiques. Et des fois, on a un petit peu de peine à revenir à cette motivation initiale parce qu'elle nécessite des fois des connaissances plus avancées. Alors, maintenant, revenons au petit prince et à sa petite planète. Le petit prince,
il faut qu'il fasse sa toilette et il a besoin d'une sorte de salle de bain. Et imaginez qu'il veuille carreler sa salle de bain. Et comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre? Est-ce que nous allons pouvoir lui donner des conseils? Donc, qu'est-ce que ça veut dire carreler? Donc, ça veut dire avoir des petits carreaux tous de la même forme et les juxtaposer, les poser les uns à côté des autres de façon à recouvrir complètement le sol. En mathématiques, on emploie plutôt le mot pavé que carrelé. Et donc, la question que nous nous posons, c'est de paver une petite planète en forme de sphère. Alors, en fait, il y a plein de manières de faire, et il y en a même beaucoup trop. Et donc, je vais m'imposer des règles, les deux règles que voici. D'abord, je veux que mes carreaux, ce soient des triangles, parce que c'est la figure la plus simple, et c'est celle dont on a parlé depuis le début. On sait ce que c'est, nous sommes maintenant à l'aise avec les triangles sphériques. Et d'autre part, je veux que chaque fois que je pose un carreau à côté d'un carreau qui est déjà posé, en fait, le nouveau carreau s'obtient du précédent par une symétrie axiale, par la symétrie par rapport à un côté du carreau d'à côté. Alors, je vais essayer de vous montrer ça matériellement. Vous voyez ici, j'ai fait un petit début de carrelage. Je suis un peu maladroit, pardon. Je vais être prêt dans une minute, le temps de plier mon petit appareil. Alors, voilà, j'en ai deux. Donc, ici, je montre, vous voyez, mes deux pavés triangulaires, hein, et qui s'obtiennent l'un par rapport à l'autre par une symétrie axiale. Vous voyez que, comme je fais un demi-tour dans l'espace qui revient à faire une symétrie axiale dans le plan, hop, on trouve la même figure. Et donc là, j'ai déjà deux carreaux qui sont placés, mais si je continue par une symétrie axiale, pof, je pose un troisième carreau, et puis je vais continuer ici encore par une autre symétrie, pof, un quatrième carreau, et puis ici encore une symétrie par rapport à un côté, pof, j'obtiens un cinquième carreau, et puis il m'en reste un encore, oui, voilà, encore une symétrie, et là, j'ai posé six carreaux les uns à côté des autres, puis j'ai de la chance, parce que finalement, de proche en proche, vous voyez, en faisant des symétries axiales par rapport au côté, eh ben, j'ai posé mes carreaux, et puis ça vient se toucher, ça vient remplir justement une portion de plan. Donc, ça tombe bien, ça tombe juste. Et je pourrais tout à fait continuer en ajoutant, par exemple, un autre carreau ici par symétrie par rapport au côté. Et en faisant ça, j'affirme que je pourrais remplir le plan tout entier. Attendez, là, j'ai fait un autre modèle. Je me suis livré au même petit jeu, qui est de faire des tas de petits carreaux articulés pour pouvoir réaliser toutes ces symétries axiales par rapport aux côtés. Et vous constatez qu'en mettant des carreaux bout à bout, j'arrive à presque à remplir l'écran. D'ailleurs, il suffit peut-être que je le pose adroitement, et vous aurez l'impression que j'ai rempli tout l'écran avec mon carrelage, avec mon pavage de carreaux. Donc ça a l'air de vouloir continuer indéfiniment et remplir tout le plan. Bon, il s'est passé quand même une circonstance assez heureuse. Je reviens sur sur cette construction-là. C'est que à force de symétrie par rapport à des côtés, je suis arrivé à remplir toute une partie du plan. Ça, ce n'est pas tout à fait par hasard. Hein, parce que vous voyez qu'il y a, en ce point ici au milieu, il y a six carreaux qui se rejoignent, qui s'obtiennent tous les uns à partir des autres
par des symétries par rapport aux côtés, et par conséquent, ils ont tous le même angle, là, au centre de la figure. Et donc, j'ai 6 angles identiques qui vont s'additionner pour donner exactement 360 degrés. Donc, la raison pour laquelle ça a marché, c'est que mes carreaux en forme de triangle, là, au centre, ils ont tous un angle qui vaut 360 divisé par 6 égale 60 degrés. Et ici, j'ai choisi un autre triangle. Et là, vous voyez que je suis arrivé à remplir toute une partie du plan à force de symétrie axiale par rapport aux côtés. Et là, j'en ai 12 des triangles. Donc, ça veut dire que tous ces triangles, ils ont un angle, là, qu'on voit au centre, et qui vaut 360 divisé par 12 égale 30 degrés. Et de la même façon, vous voyez qu'ici, au voisinage de cet autre sommet là, et ben je mets 4 de mes triangles ensemble et ça remplit toute une partie du plan autour de ce point. Ça veut dire que j'ai 360 divisé par 4 égale un angle de 90 degrés. D'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, c'est un angle droit dans mon triangle. Et enfin, le troisième angle, il est fait de telle sorte que, si, voilà, j'y suis, que je puisse mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles comme ça, de même angle. Et donc, cet angle, il vaut nécessairement 360 divisé par 6 égale 60 degrés. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour qu'un triangle du plan puisse, par symétrie par rapport à ses côtés, paver le plan, il y a une condition nécessaire qui est que chacun de ces angles soit de la forme 360 divisé par un nombre entier. Alors, je vous montre ici de nouveau ce que je viens de vous montrer péniblement à l'écran. Vous le voyez peut-être un petit peu mieux sur les photos. Et ensuite, ici, après ce triangle dont les angles, on vient de trouver qu'ils valent 30, 90 et 60 degrés, eh bien, il a bien envie de paver le plan par symétrie par rapport à ses côtés. Donc, vous n'allez pas être surpris si, le problème que je me pose maintenant, c'est je pars d'un triangle dont les trois angles ont des mesures alpha, bêta et gamma. Et je me demande à quelles conditions sur les nombres alpha, bêta et gamma, le triangle va paver le plan par symétrie par rapport à ses côtés. Et la réponse ne devrait pas trop vous surprendre non plus. Il faut que les trois angles soient des diviseurs de 360 degrés. Donc, ils s'écrivent tous sous la forme 360 divisé par P, Q ou R, où ces nombres sont des entiers. D'autre part, pour que alpha, bêta et gamma soient les trois angles d'un triangle du plan, il faut que leur somme fasse 180 degrés. Et donc, quand on additionne 360 sur P plus 360 sur Q plus 360 sur R, et si on veut que ça fasse 180, eh bien, il suffit que 1 sur P plus 1 sur Q plus 1 sur R soit égal à 1,5. Et puis, il y a une dernière clause, là, je vous invite à y réfléchir un peu par vous-même, c'est que si par hasard l'un des nombres PQR est impair, forcément les deux autres doivent être égaux. Eh bien, ces trois conditions qui sont nécessaires sont aussi suffisantes. Donc, ça répond entièrement à la question posée. Et maintenant, le problème est ramené à celui de déterminer les triplets d'entrée d'entiers P, Q et R, dont la somme des inverses fait 1,5, et qui en plus, si l'un est impair, les deux autres doivent être égaux. Et c'est un petit travail d'arithmétique. Et donc, voici la réponse. Il y a trois solutions pourvu qu'on prenne les nombres PQR dans l'ordre croissant. Donc, ces trois solutions, c'est 3, 12, 12, 4, 6, 12, 4, 8, 8, 6, 6, 6, ce qui correspond aux quatre triangles que vous voyez sur la droite. Vous voyez, 3, 12, 12, ça veut dire que les angles
valent 360 divisé par 3, c'est-à-dire 120 degrés, d'où un angle obtus, et 360 divisé par 12, c'est 30 et 30. Donc un triangle avec un angle obtus, isocèle, et des angles de 120, 30 et 30. 4, 6, 12, c'est ce triangle-là. Hein. C'est le triangle dont les angles valent 30, 90 et 60. 4, 8, 8, c'est la moitié d'un carré. C'est un triangle isocèle avec un angle droit et les deux autres qui mesurent 360 divisé par 8, ce qui fait 45 degrés. Et enfin, 6, 6, 6, c'est le triangle équilatéral qu'on a vu ici. Voilà, donc il n'y a que 4 triangles qui pavent le plan par symétrie par rapport à leur côté. Et la figure, les figures suivantes nous convainquent que ça marche effectivement. Pour chacun de ces triangles, en faisant les top, des symétries comme ça, on arrive à remplir tout le plan. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose, qu'on revienne au petit prince et à sa planète à lui. Donc, le problème de Carl. Peut-être avant de le faire, je voudrais insister sur un point, excusez-moi. C'est que le problème était très, très spécial. J'avais choisi de paver par symétrie par rapport aux côtés. Si je n'impose pas cette clause, eh bien, les choses sont très différentes. En fait, n'importe quel triangle peut paver le plan. Et ça, je peux l'expliquer brièvement. Voilà, vous me donnez un triangle quelconque. Je vais construire un pavage du plan par des triangles qui sont tous égaux ou isométriques à celui-là. Voilà comment je m'y prends. D'abord, je choisis un des trois côtés, je place le milieu du côté et j'effectue une symétrie centrale par rapport à ce point. Une symétrie centrale, c'est aussi une rotation d'un demi-tour. Hein? Pof, c'est ça, ouf, un demi-tour. Et ce que j'obtiens, eh bien, c'est un parallélogramme, c'est-à-dire que les côtés opposés sont parallèles. En effet, une symétrie centrale, ça envoie un segment sur un segment qui lui est parallèle. Maintenant, ce parallélogramme, eh bien, je peux le reproduire par translation le long de ses côtés et ça va paver le plan tout entier. C'est assez facile de s'en convaincre. Le dessin est tout à fait convaincant à mon avis. Et maintenant, il faut se souvenir que chacun de ces parallélogrammes, en fait, c'est ces deux triangles à coller. Et si j'ai les coloris de couleurs différentes, hein, on voit bien ici le pavage par triangle, chacun d'entre eux étant isométrique au triangle de départ, parce que la symétrie centrale, c'est une isométrie. Voilà. Donc, le problème que je me suis posé n'avait que quatre solutions, quatre triangles bien particuliers, parce que j'avais imposé cette clause que chaque triangle s'obtenait à partir d'un... chaque pavé s'obtenait à partir du voisin par une symétrie par rapport à un côté. Bon, maintenant, essayons de nous poser la même question sur la sphère. Donc, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, on est sur la sphère, simplement. Donc, on parle d'un triangle sphérique. Et pareil, on va le reproduire par des symétries par rapport à ses côtés, ce qui correspond à des symétries par rapport à des plans dans l'espace. Et à quelles conditions est-ce qu'on obtient un pavage de la sphère? Eh bien, la réponse, vous voyez, ressemble beaucoup, beaucoup au cas des triangles plans. Vous voyez que la seule chose qui change, c'est que l'égalité 1 sur P plus 1 sur Q plus 1 sur R égale 1,5 est remplacée par une inégalité. Bon, ben c'est le théorème de Dickey. La somme des angles d'un triangle sphérique est toujours plus grande que 180 degrés. Voilà. Sinon, les autres clauses sont exactement les mêmes.
Et on peut se livrer au même exercice maintenant de déterminer les nombres entiers PQR qui satisfont ces conditions. Et la liste, eh bien, la voilà en dessous. D'abord, vous voyez qu'il y en a 11 triangles très particuliers, 3, 3, 3, 3, 4, 4, etc. Donc, il y a 5 sur la première ligne, 4 sur la troisième et 2 sur la dernière. Et puis, il y a une famille infinie. Ça alors, on peut 4, 4 et R, ou R, n'importe quel entier plus grand que 4, est une solution du problème. Ça, donc là, c'est utile de faire des dessins pour représenter ces triangles sphériques et les pavages correspondants, ce qui correspond au carrelage possible que pour le petit prince de sa planète. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez ici, ce sont le premier à gauche. On ne voit pas très bien parce que le triangle sphérique est tellement grand, il a des angles, il a trois angles de 120 degrés. La somme des angles, ça fait beaucoup, ça. Oui, ça fait 360 degrés. Alors, pour peut-être mieux, plus facilement se figurer le pavage de la sphère que ça donne, j'ai représenté en dessous un polyèdre. Vous voyez que dans le pavage, on voit des triangles, leurs côtés, leurs sommets. Ici, eh bien, il y a en haut à gauche, il y a quatre sommets. Donc, ce que j'ai représenté, c'est le polyèdre qui a les mêmes sommets que le pavage de la sphère. Et donc ici, il s'agit d'un tétraèdre régulier. Il a quatre faces, c'est pour ça qu'il s'appelle tétraèdre, et régulier parce qu'il est aussi symétrique qu'on peut l'être. Ses faces sont des triangles équilatéraux. Et non, mais le second, celui-là, donc 3, 4, 4, ça veut dire que le triangle de base a pour angle 120, 90 et 90 degrés. Et le polyèdre correspondant, il est formé en quelque sorte de deux pyramides posées à base triangulaire, posées l'une sur l'autre. Il a six faces. Et donc, il y a six triangles dans ce pavage de la sphère. Ensuite il y a plus de sommets. Le 3, 8, 8, vous voyez que ces angles, c'est 120 et 45 et 45, etc. Donc, ici, c'est la famille infinie. Vous les reconnaissez? On a l'impression de voir la Terre avec l'équateur et les fuseaux horaires. Et bien, c'est exactement ça. Et l'angle, les angles au pôle Nord sont des diviseurs de 360 degrés. Et c'est la seule. Et puis, les angles à l'équateur sont de 90 degrés. Mais on a toute la facette famille infinie. Et puis ici, voilà d'autres. Ils sont très jolis. Et en voilà encore d'autres. Donc pour bien se les figurer, en fait, la seule chose qui nous manquerait, ce serait de voir ces pavages tourner, comme la Terre qui tourne autour de son axe. Alors, est-ce que la planète du Petit Prince, est-ce qu'elle tourne autour d'un axe? Eh bien, la réponse est oui. Dans l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, on a des indices qui montrent que cette planète, elle tourne. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a une alternance de jour et de nuit, et de lever et de coucher de soleil. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit: je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France.
Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet exposé vous a plu. Donc vos questions sont bienvenues, mais attention, hein, pas trop longtemps, parce que ici en France, c'est le coucher du soleil. Voilà, à vous la parole. Bon, Gilles, Voilà. pardon, Donc, oui, non, il fallait le temps que je me reconnecte. Donc, eh bien, écoute, je te remercie pour cette conférence fantastique. Alors, malheureusement, on n'a pas eu de questions dans le chat. Donc, voilà, les étudiants étaient sans doute subjugués et nous, on n'a pas de relais. Alors, voilà, du coup, moi, j'ai des petites questions. Alors, comment ça se fait qu'on ait ce 4-4-R, là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a pas, on n'a pas une petite image, là, comment tu expliques Oui, cette je te le bifurcation? remontre. Les voilà. Voilà. Hein? Là, j'ai dessiné seulement trois des pavages et des polyèdres correspondants, 4-4-8, 4-4-15, 4-4-30. Et 4-4-R, ça correspond au pavage engendré par un triangle sphérique qui relie l'équateur au pôle Nord, qui au pôle Nord a un angle de 360 degrés divisé par R. R, c'est un nombre entier quelconque, plus grand que 4, dont le côté opposé au pôle Nord, eh ben, se trouve sur l'équateur. Et donc, deux des côtés sont des demi-méridiens qui intersectent l'équateur à angle droit. Très Donc, bien. on voit que c'est la géométrie du petit prince. De ce point de vue-là, elle est plus riche que la géométrie euclidienne. Il y a beau le problème de pavage par symétrie par rapport au côté a beaucoup plus de solutions que. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors après, je ne sais pas, comme une transformation, là, comme la projection stéréoscopique, quand je dis des gros mots, mais une transformation qui permet de passer d'un pavage du plan à un pavage du cercle. Alors évidemment, ce n'est plus les mêmes figures, mais pour expliquer pourquoi il y en a un qui est non fini sur la sphère, en fait, parce que c'est ça que j'arrive pas bien à comprendre. Et Hormis ben. cela, pourquoi il en reste qu'un non fini? Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer ça? Disons, la formulation arithmétique, bon, elle est assez convaincante, hein. On voit que si on doit trouver trois entiers dont la somme des inverses est plus grande qu'un demi, déjà, les entiers ne peuvent pas être trop grands, hein. Sinon, les inverses sont très petits et la somme sera plus petite qu'un demi. Donc là, l'arithmétique indique qu'il va pas y avoir énormément de solutions, mais c'est vrai que c'est un peu inattendu qu'on trouve tout de même une infinité de solutions. Parce que tu Alors, vois, tu pourras en avoir une infinité avec P égale 2, Q égale 3, par exemple. ouais, mais tu as raison. Alors, il y a la contrainte qui est que si l'un des nombres entiers ici est impair, les deux autres sont égaux. Donc Ah si tu fais oui. Q égale 3, forcément R est égal à P. Forcément, Et oui, donc forcément. ça, on ne peut pas donner des grandes valeurs à R. C'est vraiment, tu as raison, c'est la combinaison des conditions 2 et 3 qui est très restrictive. Oui. C'est vrai. Et depuis quand ce théorème, il est connu, là? Ben, j'en sais rien. Je crois
Je ne sais pas de dater. Ce serait un cas particulier d'un théorème beaucoup plus général qu'on attribue à Poincaré, donc à la fin du 19e siècle. Mais bon, je pense que je ne sais pas répondre à cette question, mais si des gens s'étaient posé la question à n'importe quelle époque, disons Il aurait dit le de secret. notre ère Et en après tout cas, Jésus-Christ, ils auraient trouvé la solution sans difficulté. il y a des résultats similaires pour des, par exemple, pour pavés avec des quadrilatères ou ce genre de choses ou... Et ben, là, par exemple, la question de savoir quels sont les pentagones qui pavent le plan, eh bien, c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue, disons, sur laquelle on a beaucoup progressé, notamment très récemment. Il y a une classification des types de pavage par pentagone qui est actuellement, dont on conjecture qu'elle est complète, et il y a même une proposition, enfin, il y a un manuscrit actuellement en cours d'examen qui prétend démontrer cette propriété. En revanche, on sait qu'un polygone qui pave le plan, alors il n'y a pas de clause de symétrie par rapport aux côtés, hein, il ne peut pas avoir plus de 6 côtés ou 7 côtés. Mais voilà, donc les quadrilatères qui pavent le plan, ça c'est connu depuis longtemps, et les Alors, on a pentagones bien un qui truc qui pavent le plan, explique. c'est un beau problème qui est d'actualité, et vraiment d'actualité un peu brûlante, puisque il y a une solution qui est proposée et dont il faut dire si elle est bonne ou pas. Par contre, j'ai vu, alors je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a une vidéo de Micmac qui est sortie, Michael Launay, ou alors il pave le plan avec le flocon de coque, mais de deux tailles différentes. Enfin, toi, avec une homothétie de rapport, je ne sais plus, un tiers ou deux tiers, donc la même figure, mais avec une homothétie, pour la mettre, il arrive à paver donc avec une figure qui a un nombre infini de côtés. Oui, C'est c'est vrai. Eh surprenant. ben, c'est un autre aspect du sujet. L'idée de décomposer des nombres dans une base, vous savez compter en base 10. Vous avez probablement au moins une fois dans votre vie compté en base 2. Mais on peut en fait écrire les nombres dans une base quelconque. N'importe quel nombre réel positif peut être utilisé pour ça. Et ce problème-là conduit à des pavages du plan par des objets, par des pavés qui ne sont pas des polygones, mais qui sont une sorte de polygone avec une infinité de côtés. Tout à fait, dont le bord est fractal. Il y a des jolis problèmes de mathématiques qui sont aussi d'actualité en recherche, qui concernent des pavages du plan par des polygones fractales, mais bien particuliers, qui sont liés à l'arithmétique. Tout à fait, Gilles. Bah écoute, c'est super. En tout cas, moi, je te remercie. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet exposé, très ludique, avec des petits bricolages pour bien comprendre, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Donc, voilà. Je J'espère, voudrais je pense juste que les dire gens vont bien une apprécier dernière aussi. chose. J'ai un Oui. dernier petit message à l'intention de nos amis américains. C'est que le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1943, simultanément en anglais et en français. Et c'est seulement 6 mois plus tard qu'il est paru en français en France. Voilà. Donc ce livre, et d'ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai trouvé dans ce livre une allusion aux États-Unis. Ce livre est vraiment fait partie d'un, disons, d'un, c'est un trésor commun à la France et aux États-Unis. Voilà. Donc vous qui êtes des étudiants américains, états-uniens, qui étudiez en français, je pense que ce livre vous est particulièrement destiné, et donc je vous en fais cadeau. Eh bien, on te Voilà. remercie beaucoup. Au Et revoir. puis, on va te laisser. On va maintenant retrouver les élèves de New York, enfin, dans quelques minutes, après une petite pause, là, voilà. Et on va continuer cette soirée, là, jusqu'à
très tard dans la nuit ici. Allez, bravo les élèves de New York, bravo. Merci Pierre, et au revoir. Au revoir.